Bonjour à tous les auditeurs de VipRadioOnline.fr, la web radio de l'association RVPB à Nice et Saint-Laurent-du-Var. Ici Jérôme en podcast pour vous présenter cette chronique foot à propos du match Monaco-Nice, ASM Monaco-OGC Nice, qui s'est tenu le 20 avril 2014 à 14h au Stade Louis II à Monaco. Voilà. Alors concernant donc les temps forts de ce match, 5e minute, but pour l'ASM Monaco signé Berbatov, 1-0. Il est servi sur la gauche de la surface adverse et il lobe David Ospina d'un petit extérieur du droit. 35e minute, joli contre niçois de Botteac lancé sur la gauche de la surface adverse. Il cherche Jérémy Pied devant le but de Subasic, mais le destinataire est finalement un peu court pour reprendre au 6 mètres. 45e minute, plus une minute de temps additionnel, c'est la mi-temps. Monaco est plus à l'aise en ce début de match et mène 1-0 face à Nice grâce au but du Bulgare Berbatov. À noter dans les tribunes visiteurs Alexis Bozetti qui est présent parmi les supporters niçois pour assister à ce match. 47e minute, Montino écope du premier avertissement de la partie pour une faute sur Mendy sur la ligne médiane. 48e minute, Mendy se plaint du tendon d'Achille et va se faire soigner. 58e minute, Claude Puel opère les changements, Svitanic et Brulz à la place de Pied et Mopé. 64e minute, Ranieri décide de remplacer Germain par Kondogbia. 76e minute, sortie de James Rodriguez remplacé par Nabil Dirar. 80e minute, carton jaune pour Colo. 84e minute, Berbatov cède sa place à Rivière qui s'échauffait sur le terrain. 87e minute, carton jaune pour Dario Svitanic pour une faute sur Abdenour. 88e minute, Claude Puel, l'entraîneur de l'OGC Nice, fait rentrer son second fils sur le terrain, Paulin, qui a moins de 17 ans, remplacera donc sur ce match Essérik et débute en Ligue 1. 90e minute plus 4 minutes de temps additionnel, victoire pour l'ASM Monaco 1-0 grâce au but de Berbatov. Nice devra retrouver une offensive efficace lors du prochain match pour assurer le maintien en Ligue 1. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis, Jérôme, depuis le Stade Louis II pour cette chronique à propos du match ASM Monaco-OGC Nice du 20 avril 2014. Ciao, bye bye, à très bientôt sur le www.vipradioonline.fr.